Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tom Clancy Ghost Recon Wildlands. Aujourd'hui, on s'attaque à la province de Barbechos, qui fait partie du trafic puisqu'il ne reste plus que ça. Province de l'Altiplano en haut lieu du blanchiment d'argent. On vient de passer la frontière de Barbechos. Bonne nouvelle. Sueño a envoyé sur place son comptable, un certain Pulpo, faire un audit de Nidia Flores. Le genre a rien laissé passer, à ce qui paraît. Que Nidia rogne ou pas sur la part de Soignon, on s'en fout. Ce qu'on sait, c'est qu'elle l'a mauvaise d'avoir Pulpo sur le dos. Barbechos, c'est le point d'entrée en Bolivie des bénéfices brésiliens du cartel. Bénéfices blanchis par la Banco des Barbechos. Puisque Pulpo vient foutre le bordel dans ses affaires, on doit pouvoir trouver un moyen d'en profiter pour saboter toute l'opération. Peut-être que Soignon soupçonne déjà Nidia Flores de taper dans la caisse. Si on veut être fixé, il faut récupérer Pulpo. D'après nos intels, son bras droit, un certain Wagner, se trouve dans une mine d'argent de Barbechos. Récupérez Wagner et faites-lui cracher l'emplacement de Pulpo. Notre agent de la CIA préféré vient de nous envoyer une vidéo sur le popcorn. Tous les sicarios du monde valent que dalle si on n'a pas les comptables pour blanchir l'argent derrière. Celui qui lave le linge sale de Sueño s'appelle Octavio Allende, alias El Pulpo, la pieuvre, parce qu'il fourre ses tentacules partout. Si on l'élimine, la machinerie du cartel va prendre l'eau. Mais je veux m'en servir comme d'une arme. Pulpo, c'est un fonctionnaire et il le sait. Au lieu d'un AK-47, il a un attaché-case, qui lui sert à ouvrir des portes commerciales, à cimenter des relations avec les politiciens et la police, et à rendre l'argent du cartel dépensable. Grâce à El Pulpo, en plus de ses activités occultes, la Santa Blanca a investi dans de nombreuses affaires légales. El Sueño a fait venir El Pulpo en Bolivie pour vérifier les comptes de Nidia Flores. Les fonds brésiliens sont acheminés à Barbechos, où l'essentiel est blanchi grâce au consortium minier. Les bénéfices de Nidia doivent tirer un peu la gueule. Bon, très bien. J'ai ici la mine d'argent de... C'est pas quoi. J'ai demandé à Pac Cataré de nous envoyer... Hélicoptère à l'autre bout de la terre. Ça rime. Et ça devrait le faire. Wagner, le bras droit d'El Pulpo est à la mine d'argent de Sipuco. Trouvez-le et découvrez où son boss se planque. On arrive bientôt à la fin. On arrive bientôt à la fin. Il reste 2-3 provinces. 3, 4 je crois. Il reste 4 provinces. Et après, ce sera l'émission spéciale. Ah, il y a de l'anti-aérien, bien sûr. Ça sera l'émission spéciale. Genre celle-là. Voilà. Et celle qu'il y a ici. Et une autre. Là, voilà. Ce sera l'émission spéciale. Ensuite, on s'attaquera au boss secondaire. Et ensuite au boss tout court. Bon, concentration. Je dis ça un peu à tous les épisodes, mais il faut. Nous sommes des ghosts. Soupçonné, ça commence déjà mal, mais ça devrait aller. Drone actif. Il doit être quelque part. Ouais. C'est lui, il a dû entendre l'hélicoptère, c'est pas un problème, ça devrait aller. Ce qu'on peut faire, c'est déjà faire un petit repérage ici. Le cartel a pris le contrôle des mines du coin. Il laisse la Barbechos Plata gérer les excavations. Ça fait quelle différence pour un mineur? Quand on galère au fin fond d'une mine, on en a un peu rien à foutre de qui c'est le patron. Qu'est-ce qu'il y a personne? Il doit avoir sûrement des snipers quelque part. Voilà. Sniper au niveau des portes. Il doit avoir plus de monde que ça. De manière, notre objectif principal c'est ici, donc on va s'occuper un peu de ceux qui sont autour, les snipers principalement. Après, on aurait juste à aller là et repartir.
On va s'approcher un peu, parce que vous connaissez mes talents en tir. Non. Je le sens pas, par contre toi oui. Je suis peu convaincu de lui en fait, je vais... Ouais, je vais me décaler un peu. Ouais, voilà pourquoi. Ok. Tout va bien, vous n'avez rien vu. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Je vais attendre qu'ils se rapprochent un peu et je vais les abattre parce qu'ils doivent avoir leur pote. Il y avait. C'est un sniper là-bas, faire attention. S'occuper de l'alarme. Puis pour éviter que lui il les voit aussi. C'est bon, il n'y a pas de casse. J'ai viré cette alarme à la con. Ce qu'on pourrait faire, c'est voir un peu lui s'il est tout seul. Normalement, il devrait être tout seul. Du coup, je pense qu'on va faire un tir synchro entre tous les snipers. Parce qu'à chaque fois, j'oublie que j'ai cette... Ok, je me déplace. Reçu. Cible désignée. Cible marquée. Cette fonctionnalité. À ton signal. Il est mort. Ok. Et là, on a la voie libre. Bon, sauf pour lui, mais on va s'en occuper tout de suite. On va essayer de faire le tour pour s'occuper du mec derrière, parce que s'il le voit, bien sûr. On va se faire à déglinguer. Bowman n'avait aucune info sur le profil de ce Wagner. Comme dirait l'objet de mon affection et bientôt de mon divorce, quand on sait pas, on demande. Je crois que t'as oublié sac à merde à la fin de ta phrase. Quand il est question de mon ex, le sac à merde est implicite. Ok, on s'en tire bien. Okay, ici c'est bon, je sais pas ce qu'on doit faire le tour. Petit repérage de on sait jamais. Ça devrait le faire normalement. On a repéré tout le monde, il n'y a pas de problème. Bon, sauf là-bas, mais c'est pas très grave puisqu'on ne va pas y aller. Voilà, et le sniper, parce que il vient de me voir. Ouais. Bon, très bien. Maintenant, on s'occupe de ça. Flashbang. Je vais faire le tour. C'était pour la porte là pour m'occuper de celui qui est au rez-de-chaussée. Sans tirer parce que ça va attirer ses potes. Ah. Non, c'est pas un ennemi, c'est bon. Tout va bien. Je vais aller m'occuper de cet homme, sans tirer aussi. Je
C'est bon, il n'y a pas de casse. C'est bon. Attends, tu vas te faire griller. Si on peut faire synchro, si on peut pas, bah je m'en occuperai tout seul. Cible repérée, quand tu peux. Lui, ouais, parce qu'il est dehors. J'ai perdu ma cible. Ouais. Je commence à aligner ces fusils. C'est réglé. L'ennemi a entendu le coup de feu. Vite, mais pousse-toi. Et ouais, ah là 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 là. Quel dommage. Mais ouais, c'est à cause de mon tir. Ça m'embête. Peut-être qu'un jour, je ferai un truc propre. Alarme neutralisée. Aucun risque de renfort aérien. Silencio. Marche. Allez, viens ici. De toute façon, il y a un hélicoptère juste en haut, donc c'est parfait pour nous. Dis-moi où trouver Wagner, l'associé de Pulpo, je te pète les doigts un par un. Faut te calmer, gringo. Mais bon, écoute, Wagner a été enlevé par les types à Nidia. Eh merde, ils arrivent. Plus aucune cible sur zone. L'associé de Pulpo enlevé par les hommes de Nidia, ça vous inspire quoi? Bah moi j'ai du mal à y croire. À mon avis, Nidia est sur la sellette et elle pense que ce Wagner peut l'aider à se maintenir. Putain, regardez ça. Une mine de la barbe et de choses plata. Propriété aussi de la Santa Blanca, je parie. Y'a pas un secteur économique qui leur échappe en Bolivie. Question à 1 million de dollars. Leurs acheteurs, c'est qui? Le pétrole, les minerais, c'est pas parce que ça vient des cartels et des terroristes que ça se vend pas. Cible repérée. J'ai demandé une reco de la zone rebelle. Ok, ça va, on est tranquille. J'ai une caisse d'armement en visuel. Hé, je balance une flashbang. Recule, il te voit. Attendez. Aïe, la flashbang n'a pas marché, très bien. Super. Moi. Bonsoir. Comment ça va? 16h11? Ouais. Si tu veux. Ok, on peut respirer. Joli. Coopérer, todo saldra bien. Merci mille fois. Mais vous êtes qui? Pour l'instant, on est ton seul espoir de t'en tirer. En avant. As-tu récupéré ton arc sur CK3? Oui. Non, mais vous imaginez, enfin. D'après ces types, et toi, tu as changé de compte. Pulpo veut lui piquer sa part. La folie, sérieusement? T'as pas l'impression d'avoir plus urgent à faire que de savoir... Ne le tuez pas, s'il vous plaît. J'ouvre le feu. Oui, c'est ça. Allez, bonsoir. C'est un plaisir. T'as perdu ton ancien? Mais tu sais qu'il y a mot de passe oublié qui existe. Comment on fait pour perdre un compte? Est-ce que bueno, vous pouvez au moins me dire qui vous êtes? Je sais que vous êtes pas du cartel. Ça te concerne pas. C'est Sueño qui a engagé des freelances? Non, parce que j'ai pas visé les factures. Je répète, t'as pas besoin de savoir. Ou alors, vous bossez pour Pulpo, c'est ça? Non mais je vous jure, lui avec ses comptes occultes, avec tout ça, comment vous voulez que je tienne les comptes? Ouais mais j'ai la flemme. Alors, qui vous a attaqué? C'était des hommes de Nidia Flores. J'ai rien compris. Ils soupçonnent Pulpo de vouloir nuire à Nidia. Vous voulez bien nous excuser?
Poulpo et Nidia sont à deux doigts de s'étriper. Il faut qu'on saute sur l'occasion. Leur faire croire qu'ils se tirent dans les pattes. Tout à fait. Encore faut-il trouver comment. Tout ce qu'on a à faire, c'est de chercher des moyens de pression pour ruiner leur vie de couple. Et d'où est-ce que vous connaissez Poulpo déjà? Chez sa cousine, du côté de sa mère. C'est normal que hier tu as live que une heure. Oui. Oui, des fois. Des fois j'ai envie, des fois j'ai pas envie. Ouais. J'ai arrêté après une heure. Disons que je suis plus concentré en enregistrement qu'en live. Qui ont le même boss, Nidia et Poulpo n'ont pas l'air de trop s'apprécier. C'est clair que leur instinct leur dicte de se méfier l'un de l'autre. Si on alimente leur parano, on peut peut-être les pousser à s'entretuer. Ça dépend, quoi, de mes envies. Bon, petite recherche d'Intel. Et tu as commencé ton emploi? Non, ma formation débute le 21 juin, il me semble. Précisément. Je déploie le drone. Donc non. J'ai demandé aux rebelles de faire un repérage de la zone. Et elle finit en septembre. Donc je suis pas prêt d'aller travailler pour l'instant. Reviens, tu vas te faire voir. Mais je connais quelqu'un qui connaît le patron de la société de sécurité de Ivalé. Le grand centre logistique d'Europe. Et du coup, bah, après ma formation, il peut avoir deux trois discussions, hein, et que je puisse entrer là-bas. Des archives comptables d'un coffre de la Santa Blanca à Barbados. Tout ce qu'on a à faire, c'est le braquer et faire porter le chapeau à notre cher ami Poulpo. Ça a l'air plutôt simple, non? Si seulement. Pac, ici Nomad. Je t'appelle de Barbados. Comment ça va? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On a prévu de forcer le coffre de Nidia. Rassemble une équipe et attendez qu'on vous appelle. Prévois suffisamment de monde pour transporter tout le cash. Está bien. J'avertis mes camarades. Après, les horaires des lives vont changer quand tu travailleras? Oui. Et oui, c'est sûr. Quand je serai en formation, déjà oui, parce que je vais sûrement finir à 16h, donc va bien falloir que... C'est passé tout près. J'ai demandé aux je ne vais pas faire de live à 16h si je termine à 16h, logique. Donc ça sera probablement au soir lors de ma formation. Il y aura peut-être d'ailleurs plus de personnes. Ça fait un max de loupiote et de boutons. Et sinon, quand je travaillerai, je ne sais pas, puisque je connais pas mes horaires encore. Comme souvent, ça change beaucoup. On verra. Mais sinon, sur YouTube, dans la logique des choses, il y aura une vidéo par jour, comme d'habitude, hein, il n'y a pas de problème. C'est où ta formation, Cambrai? J'ai demandé une reco de la zone rebelle. Ce type doit être un chef des Sicarios. Si on lui fout la trouille, ça fera flipper tous ses amis du même coup. De sécurité là-bas. De quoi, à Cambrai? Cambrai, ils font tout, enfin, je vois pas le... J'envoie une flashbang. Merde. Je lance une flashbang. Merde, prends-toi!
vachement marché le la flashbang, dis donc. Ah, j'en ai plus. Ah. Tous à couvert. Oh, damn. Le lieutenant fout le camp. J'attaque l'ennemi. Peux pas partir longtemps toi. Voilà, c'est ça qu'on veut. On attend. Je m'occupe de toi, tiens-moi. J'ai plus de flashbang. Putain, c'était juste. On se voit un instant. Aïe. Comment faire? Peut-être attendre qu'il rejoigne une voiture. On se fait allumer depuis le parking. Ouais. 8 minutes que je suis là et t'es déjà mort 2 fois. 3 fois, s'il te plaît. Écoutez, y a pas que des... Y a pas que des victoires hein, quand on joue au jeu. Et je trouve ça intéressant de montrer les échecs aussi. Voilà, maintenant viens ici. Putain, c'est pas vrai, dites-moi que je rêve. T'as pas cette chance. La prochaine fois que je te vois dans le coin, tu t'en tires avec des fractures. Ou peut-être quelques membres en moins. Dis à ton Butchon que ça vaut aussi pour tous les autres chauffeurs. Dios mio. D'accord, d'accord. Belle journée pour les sicarios qui se la pètent. Bon. Il va s'occuper des autres. Je me suis fait démonter, hein. Oui, bah écoute, fallait lancer une flashbang. Je vais te chercher. Fais chier. Tiens, tiens, Nidia achète son maquillage en ligne. Ok. Donde, là-bas. T'allais là. Donne-moi 2 secondes et je suis là. J'ai demandé à Pac Katari de nous envoyer un véhicule. Oh putain. Si tu pouvais éviter qu'on me tire dessus, ça m'arrangerait. Bah, tu te mets à couvert et c'est bon. Bon, on se rejoint là-bas. J'ai demandé aux rebelles de faire un repérage de la zone. Je vois une tourelle fixe. Je repère une batterie fixe. Je fais ce que je peux avec mes connaissances, oui, je me doute. Mais maintenant, tu le sais. D'un convoi de fond au départ de la Banco des Barbechos. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de séparer un camion du troupeau et de livrer le butin au garage de Pulpo. Si Bowman laisse fuiter Anidia à l'emplacement du camion, on n'a plus qu'à profiter du spectacle. Et voilà, agent de sécurité, ce n'est pas garde du corps. Super, c'est pile ce que je voulais. Flores dissimule des millions en argent blanchi à la Banco des Barbechos. J'ai demandé aux rebelles de nous envoyer un véhicule. De dévaliser la banque et de remettre l'argent aux rebelles de Qatari. Genre, tu serais le gars avec une oreillette en noir à Auchan. Si ça peut te donner une image, oui. Mais non, on n'a pas d'oreillette. On a des talkie-walkie, mais c'est tout. C'est
C'est parti, ils nous ont vus. On accueillera les camions, on fera des fouilles de voitures. Enfin, des fouilles. On ouvrira le coffre pour voir ce qu'il y a dedans. Des trucs comme ça. Le drone déconne, ils doivent le brouiller. Bientôt le brevet. Bah écoute, le brevet, je l'ai fait à l'aide de mes connaissances. Et ça s'est très très bien passé. Il y a une escouade du cartel, là, dans la banque. C'est vraiment quelque chose de pas dur. Après, il a sûrement changé, hein, celui que tu fais. J'ai demandé une reco de la zone aux rebelles. Je pensais que j'avais fait n'importe quoi et au final ça s'est bien passé. Je vois un narco du cartel. La banque est en vue. Matez un peu ça. On va braquer des banques comme Butch Cassidy et le Kid. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas réviser, bien sûr. Ouais, mais t'es un génie aussi, un génie au chômage. Non mais j'ai un bac S, mais j'en fais quoi aussi? Je voulais faire un BTS aéronautique de base. Ils vont te repérer, recule. Mais ils prennent pas les généraux. Ou très rarement. Ils prennent que les lycées pro en tant que BTS aéronautique. Donc du coup, bah, mon bac S il m'a servi à rien. Sicario en vue, avec un PM. Là, près du container. Et puis un jour, une grande sage m'a dit « Tu joues au jeu toute la journée, pourquoi tu fais pas des vidéos ?» Et voilà. Donc si je peux en faire mon métier, qu'il en soit ainsi. C'est con ça, oui. Mais chier, ils sont tous d'accord. Oui, oui, oui. Ça va, tout va bien. J'ai demandé aux rebelles de faire un repérage de la zone. Je veux juste que tu te mettes à... Voilà. Parfait. Un mitrailleur lourd du cartel, dans le QG. Silencio, marchez. Nidia n'a fait que te freiner dans ta carrière et risquer de t'entraîner. Donne-nous les codes d'accès à son coffre. Et Pulpo fera en sorte qu'elle disparaisse. Pulpo? Chingado. Ok, está bien. Les codes sont à vous. Une grande sage ta mère, ce n'était pas ma mère. Ici Nomad, on a les codes d'accès. Est-ce que tes rebelles sont prêts? À retirer des centaines de millions de bolivianos, bien sûr. Attendez notre signal. Nomad, terminé. D'après mes connaissances, ton père ne t'aurait jamais dit ça. Enfin voyons, pas ici. Trop être discret. Ah si. Si j'ai mon brevet, j'ai un bon PC. C'est bien ça. J'ai eu mon premier PC gamer, entre guillemets, avec... bah, quand j'ai eu mon brevet. Donc... j'espère que tu l'auras, parce que ça change la vie, un bon PC. Couche-toi, ils vont te voir. Entendu. Celui-là veut Allez, sa hop. Dose de combat. Tout le monde est prêt. Ils savent qu'on prépare quelque chose. Des renforts aux rebelles. Un PC à 1200 euros, je pense que c'est bien mieux qu'une Xbox. Un PC à 1200 euros, tu peux faire pas mal de choses, hein. Tu peux avoir un très très bon PC pour 1200 euros. Et de toute manière, un jour, à l'allure où on va là, ils vont développer de nouveaux composants, tout ça. Mais moi, avec la configuration que j'ai là, elle va durer des années. J'ai pas à changer. Les jeux seront pas. Bon, ils vont être un peu plus gourmands. Peut-être avec le Unreal Engine, mais.
Mon PC va gérer, quoi. Ouvrez feu. Bien sûr. Tu joueras... Bon, tout dépend de ta config, mais tu joueras peut-être pas en ultra, mais tu pourras jouer en élevé, tu vois. Pour jouer à Warzone, ah bah oui, c'est 1200 euros pour jouer à Warzone, t'as largement ce qu'il faut. Continuez d'avoiner, butez-moi ces sicarios. T'as même plus que ce qu'il te faut. Le parking, attention! Renseigne-toi bien sur les composants que tu veux dans ton PC. Moi, ça a pris des mois pour que je prenne exactement ce qu'il me faut. Et pas plus parce que j'en ai pas besoin. Tu vois, il faut prendre ce qu'il te faut et pas ce que tu n'as pas besoin. On a un blessé. Tu veux enfin jouer à Valorant et CSGO. Oui, ton PC à 1200 euros, il fera bien tourner Valorant et CSGO. Y a pas de soucis. Mais il faut bien sûr réfléchir à qu'est-ce que tu prends. Baissez-vous, un hélico. Oh, j'ai bien morflé sur ce coup. Moi, mon choix, par exemple, j'ai pris une RTX 3080 Ti parce que c'était la meilleure qu'il y avait au moment où je l'achetais. En fait. Il n'y avait pas mieux. Il y avait la 4080, je crois, un truc du genre. Mais c'était... Elle était moins bonne que la 3080 Ti. Donc forcément, le choix a vite été fait. En position, feu. Demande aux rebelles de pour le processeur, i7 de dernière génération, parce que je vais pas prendre un i9 ou un i12, je crois qu'il y en a. Parce que je fais un peu de montage vidéo, mais c'est tout. Donc j'ai pas besoin d'avoir un processeur. J'aurais pu prendre un i3 de dernière génération, tu vois. Mais bon, je me suis dit peut-être que dans le futur j'aurais besoin de plus. Pendant l'opération. Du coup, j'ai pris ça. Le parking, attention. Dégagez ! La 4080 coûte plus cher qu'un PC à 1200 euros. Ouais. Bah dis-toi que ma carte graphique. Quand je l'ai acheté, parce que là elle doit coûter moins cher, hein, parce que c'était la pénurie de composants, tout ça. Et je l'ai acheté 1000 euros. Bon, coffre vidé. 1000 euros sur un. Sur 3500 en tout. Piratez-le et trouvez-moi les petits secrets inavouables de la mission. Si elle était à 500 ou 600, j'aurais gagné des sous, tu vois. Enfin, je n'aurais pas perdu. C'est où? J'ai demandé un véhicule. Petit hélicoptère. Du coup, ton PC, t'aurais pu l'avoir 2500-3000, ouais. Les sicarios sont morts. Si j'avais attendu et attendu et attendu, tu vois. J'aurais jamais pu prendre ce coffre sans vous. Ne claquez pas. Et surtout, faites courir le bruit que Poulpo vous a aidé à vous servir. Pour les monter les uns contre les autres, c'est ça? Bueno. Vous êtes plus futé que vous en avez l'air. C'est moi qui pilote. Mon ancien PC il commençait à mourir. Déjà quand je le lançais il faisait le bruit d'une machine à café. Hein, donc forcément au bout d'un moment. Mon ancien il y avait une GTX 1080. Qui marchait très bien. Mais juste il était tellement mal agencé qu'il chauffait trop. L'été dans la chambre c'était horrible. Je me rappelle une fois je sortais de ma chambre et tout. Je dis bah il fait bon dans le salon et tout. Il faisait 25 degrés dans le salon. D'accord? Donc non, il ne fait pas bon. Et après, j'ai pris la température dans ma chambre, il faisait un 33-35 à cause du PC. Voilà. Le petit souci de refroidissement. Et puis, il a fait son temps, hein, mon brevet, là. On est en 2023. Mon bac, je l'ai eu en 2020. Donc mon brevet...
3 ans avant. Voilà. Donc ça fait... je l'ai eu en 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 22... Ouais, un bon 5-6 ans, quoi. Sicario en visuel. Il a un PM. Près du QG. Drone actif. Alors là, j'ai une putain de baraque géante. Donc il a fait son temps. Le modeste logis de la Reine de Beauté. On devrait passer lui dire bonjour. D'après Bowman, elle est au Pérou en ce moment pour affaire. Mais une petite recours, ce sera déjà ça de prix. On s'occupe de cette mission-là et après ce sera tout pour le... Cet épisode, la Tunisie dans le Nord. La chambre, c'était l'Afrique, oui. En même temps, les canicules, c'est horrible. Si t'as pas de clim. J'espère que cet été... Bon, cet été, on va mourir, hein, mais bon. Ici, il fait un peu plus frais dans le salon. Donc ça va, parce que je ne suis plus chez moi, bien sûr. Enfin, je suis chez moi, mais plus chez mes parents. Voilà son bureau. Voyons un peu son PC. J'ai transféré environ 50 millions de dollars des avoirs de Nidia vers un compte qui laisse penser à Poulpeau. C'est du boulot bâclé, mais ça fera illusion. Bon, très bien, ça c'est fait. YouTube, on va se laisser ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à montrer votre soutien avec un petit j'aime, un commentaire ou un abonnement si ça vous fait vraiment plaisir. Et pour suivre le reste, bien sûr, du Let's Play et pour me soutenir moralement, bien sûr. Tu risques de te faire voir. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Merci pour votre soutien. Et des bisous.